C'est la caméra donc endoscopique d'Epsteak, c'est la DS360, avec donc un écran couleur de 4,3 pouces, donc LCD avec donc IPS. Elle est étanche IP67. Résolution d'image donc en 1080p. Donc photo et puis vidéo on peut prendre. Elle a un câble super semi-rigide. Capteur, donc c'est un capteur CMOS, donc 2 mégapixels. Belle résolution d'image. Donc voilà la caméra. Une notice qui est aussi en français. Câble de recharge USB-C. Deux petits embouts supplémentaires, donc un aimant et un crochet. Plus celui qui est déjà là au bout de la caméra. Donc c'est un objectif de 7 mm avec 6 LED. On peut donc voilà qu'on peut régler au niveau de luminosité. Alors ce que j'aime bien c'est la poignée. Alors voilà une belle prise en main, l'écran couleur et voilà. Bon, après il y a tous les réglages possibles hein, avec le paramètre ici. On peut régler la langue, l'heure, etc. Toutes les possibilités sont voilà. Après on navigue dans le menu avec une flèche à gauche, flèche à droite, etc. etc. Alors on peut mettre bien sûr une carte USB, une carte micro SD ici. Voilà pour récupérer les images. Voilà, le slot pour la recharge. Il y a un bouton donc pour le reset et puis en voyant pour la charge. Alors après on peut tourner. Donc là c'est pour naviguer en retour et puis après on peut tourner donc orienter l'image différemment. Moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, elle est quand même très pratique, facile à porter, légère, belle résolution d'image. Puis on peut partir partout avec ce câble quand même bien semi-rigide, donc on peut vraiment le mettre facilement pour bricoler, moteur de voiture, canalisation, etc. Elle est étanche, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là aussi. Voilà, j'espère que ça vous a bien servi.